Welcome to E3 2018. Gaming brings us together. Gaming connects us. So let's jump in. Salut à tous et bienvenue sur Gameblog pour une nouvelle vidéo spéciale E3 2018. Je me trouve actuellement au Xbox Showcase en plein LA Live et je suis en compagnie de Hugues Ouvrard, le directeur de Xbox France. Salut Hugues, comment vas-tu ? Salut Romain, ça va ? Bonjour à tous. Alors, première question, quand on est le patron de Xbox France, comment on se sent après une conférence comme celle d'hier ? On se sent assez bien en fait. Ouais. Il y a toujours un peu de pression sur ces conférences, c'est un gros setup technique. On se demande comment vont être prises les annonces. Et puis après, on regarde beaucoup comment les fans, et aussi vous, la presse, avaient vu ces annonces, avaient compris ces annonces, les avaient ressenties. Et le feedback qu'on a, il est pour l'instant très positif. Donc on est bien là. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas toujours évident. Parfois, on s'attend à ce que certaines annonces plaisent plus que d'autres. Et parfois, la réaction, elle est un peu en décalage avec ce que vous attendiez. Et là, pour le coup, c'était en adéquation avec ce que vous attendiez ou... Bah, en fait, on avait pris, nous, trois axes. On souhaitait faire passer trois messages pendant cette conférence et on a l'impression que les trois messages sont bien passés. Mmh. On a annoncé 50 jeux, 18 exclusivités. Donc c'est la première fois qu'on montrait autant de jeux sur scène. Et puis, on a parlé aussi du Xbox Game Pass et de notre vision du jeu vidéo. Et puis, enfin, on a fait une annonce importante parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois que quelqu'un annonce 5 créations ou 5 rachats de studios sur scène à l'E3 et c'est aussi ce qu'on a fait. Et à titre personnel, quel a été le moment le plus fort pour toi de cette conf ? Qu'est-ce qui t'a parlé le plus en tant que aussi bien boss de Xbox France que le joueur ? Moi, j'ai toujours un frisson et les poils qui se hérissent quand la conférence démarre, quel que soit le jeu qu'on va annoncer. Et hier, c'était Halo, et donc forcément, Halo, c'est spécial pour nous. Et c'était un moment hyper important. Après, j'ai vu plein de jeux qui m'ont plu. Des jeux indépendants, puis aussi des grandes franchises des éditeurs tiers, et aussi Forza Horizon 4 que j'aime beaucoup parce que je suis pas très fort dans les jeux de bagnole et c'est un jeu parfait pour moi qui est plus grand public. Là on l'a revu dans la conf hier, mais d'une manière générale le Game Pass c'est une des annonces les plus marquantes de cette génération. C'est quand même un nouveau service qui change pas mal de choses, et je voulais savoir comment le Game Pass a été accueilli par les Français, sachant que les Français ils peuvent être un peu rouspéteurs quand on leur bouleverse leurs habitudes de consommation. Eh ben, ils n'ont pas du tout été rouspéteurs. C'est vrai ? Non. Les Français sont très contents du Game Pass. C'est un peu bizarre de dire ça. Ça fait un peu Emmanuel Macron. Non, on va pas parler des Français, mais on va parler des gamers français. Ouais. Les gamers en France sont hyper contents du Game Pass. On a des très bons chiffres. Il a été adopté très rapidement. Et puis, je peux vous donner deux petits chiffres très intéressants. Vas-y. Les joueurs qui ont le Game Pass... Ouais. Passe 20% de temps en plus à jouer aux jeux vidéo. Ouais. Donc ça, c'est déjà très bien. Et la deuxième chose, c'est qu'ils jouent à 40% de jeux en plus. Donc le Game Pass, tu as 100 jeux pour moins de 10€, mais ça stimule vraiment la curiosité des gamers et leur envie de découvrir des jeux qu'ils n'auraient pas forcément acheté à côté. Ouais, ça facilite le passage à l'acte, selon toi, alors que acheter un jeu 60€ ou peut-être moins dans certains cas, ça nécessite quand même un certain investissement. Bah, si tu te dis 100 jeux, quel serait le prix d'acheter 100 jeux par an ? C'est évidemment très très élevé. Là, tu as l'opportunité de jouer à 100 jeux et plus au fil de l'année, puisqu'il y a des jeux qui sortent et de nouveaux jeux qui rentrent. On a annoncé hier Fallout 4, par exemple, et The Division, qui sont maintenant dans le Game Pass. Évidemment, c'est très fort. Et bien sûr, on a nos nouveautés en Day One dans le Game Pass. Et ça, c'était une petite phrase en fin de conf, mais forcément, les joueurs ont tilté dessus, l'ont retenu. Ça concerne la mise en chantier, on va dire, officiellement, de la prochaine génération de consoles. Alors qu'on est encore en 2018, cette prochaine génération, elle ne viendra pas forcément avant deux ans, on va dire, environ. Est-ce que tu penses que ça peut parler déjà de la prochaine génération, causer du tort aux ventes actuelles de la Xbox One ? Non, je pense pas. Quand on a envie de jouer, en plus aujourd'hui avec la Xbox One X, on a la meilleure console du marché. Avec le Xbox Game Pass, je pense qu'on a l'offre la plus compétitive, la plus attractive pour les joueurs du marché. Je pense que quand on a envie de jouer, on se dit pas j'achèterai une console dans deux ans. C'est la première chose. Et je pense qu'une des raisons de l'annoncer, c'était une bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation aujourd'hui sur est-ce qu'il y aura encore des consoles, est-ce qu'il n'y aura plus de consoles, l'avenir se fera-t-il sans consoles ? Bah non, nous on pense que l'avenir se fera avec des consoles, et il y en a déjà une qui est en chantier. Et tu penses que il y a eu beaucoup d'annonces variées, on va dire, il y a eu beaucoup de jeux pendant la conf, il y a aussi eu les rachats de studios et même la création d'une nouvelle structure, il y a eu l'annonce du service de cloud qui viendra à terme et qui permettra de jouer aux jeux Xbox sur
plusieurs machines différentes. Et dans certains cas, aussi bien les jeux exclusifs que les nouveaux studios, on sent que c'était un peu une réponse à certaines plaintes qu'on pouvait lire aussi bien dans la presse que chez les gamers concernant Xbox. Est-ce qu'on peut, selon toi, voir toutes ces annonces comme un moyen de faire table rase de cette génération et repartir sur de meilleures bases pour la prochaine génération Xbox? Déjà, nous, on est content de cette génération. Mm-hmm. On a la console la plus puissante sur le marché, on a une très bonne offre, on a des très bons jeux. Sur ta question de est-ce qu'on a écouté, oui, on écoute toujours, et c'est une des caractéristiques de Phil. Mm. Il écoute toujours le feedback des gamers. Mais la création de studios, ça répond à deux objectifs. Il y a bien sûr celui que tu viens d'évoquer, qui est plus d'exclusivité, mais il y a surtout la nécessité pour nous d'alimenter ce qui est le produit phare de notre offre, qui est le Game Pass, mm-hmm. et de l'alimenter en permanence. Et le fait d'avoir ces nouveaux studios va permettre d'alimenter en permanence. Notre objectif, c'est que dans 5 ans, on ait 10 à 12 franchises exclusives dans l'univers Xbox, ouais. qui viendront régulièrement alimenter le Xbox Game Pass en Day One. D'accord. Et justement, parce qu'on reste un peu dans la même thématique, un des moments forts de la conf hier, enfin, je pense pour moi et certainement pour pas mal d'autres personnes, c'est justement sur la création du studio à Santa Monica et leur ouais. achat des 4 studios. En tant que dirigeant de Xbox France, est-ce qu'il t'arrive que Xbox maison mère Seattle te consulte pour avoir ton avis si, genre, par exemple, il y a des studios français qui pourraient mériter qu'on s'y attarde et qui pourraient potentiellement être la cible d'un rachat? C'est une question, c'est pas moi qui décide du rachat des studios de toute façon, mais c'est suggestions. Très loin de moi. Mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on remonte des petits studios indépendants mm-hmm. à Corp via le programme ID at Xbox mm-hmm. et que ça peut attirer l'attention des personnes qui s'occupent de ça chez nous. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de studios indépendants en France ? Indépendants ou pas, hein, forcément. Ou pas, je sais pas. Pour répondre à ta question, ce qu'on fait remonter, c'est les studios indépendants via le programme ID at Xbox. Ok. Et alors, elle n'a pas été évoquée pendant la conf hier soir, enfin, oui, d'hier, mais la manette adaptive pour les personnes en situation de handicap, c'est une annonce qui a été unanimement saluée, à juste titre, par tout le monde. D'après toi, cette manette qui répond à un vrai besoin, un besoin existant et varié, pourquoi n'a-t-elle pas été créée? Pourquoi elle n'a pas existé plus tôt, en fait? Pourquoi on n'a pas pensé aux joueurs en situation de handicap plus tôt? C'est une bonne question. Je pense que on montre l'exemple sur ce marché-là, et ça vient beaucoup de l'impulsion de notre président, qui est Satya Nadella, qui a rejoint Microsoft il y a 4 ans. C'est un sujet très important pour lui, l'inclusion, le fait de rendre possible l'accès, pas seulement aux jeux vidéo, mais aussi aux autres produits de Microsoft, au plus grand nombre de personnes possible. Et il a impulsé cette culture de l'accessibilité et de l'inclusion dans l'entreprise. C'est arrivé dans la division gaming, qui s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on avait fait des petites choses en France de notre côté avec Tous Gamers, qui était une initiative purement locale, et Corp l'a vu et nous a dit tiens, on vous annonce un truc, on va lancer une manette dans les mois qui viennent. On a très bien travaillé avec eux sur le lancement de la manette en France. Je pense qu'on est Xbox France, on est un des pays qui fait le plus de choses, si ce n'est celui qui fait le plus de choses mmh. sur l'accessibilité dans le gaming. Pourquoi pas avant, on avait tort. Ouais. Et donc, pour le coup, comme j'ai bien remarqué sur les réseaux sociaux, etc., que tu étais très impliqué dans ce projet, dans cette thématique. Là, c'est pareil. Est-ce que Microsoft France, enfin Xbox France, et toi en particulier, faites des retours aux États-Unis pour souligner certains besoins et montrer sur quel axe il faut centrer ce travail? Mais totalement. Il y a 3 semaines, avant le 3, je suis allé à Corp, en fait, rencontrer mmh. Phil Spencer et ses équipes. Mmh. Et j'ai présenté à toute la communauté des gens qui travaillent dans le gaming chez Microsoft via une réunion vidéo, enfin ouais. ce qu'on appelle un HoloLens, une présentation vidéo. J'ai présenté ce qu'on avait fait en France ouais. pour que tout le monde puisse s'en inspirer. Et puis je suis aussi allé visiter le Inclusive Lab ouais. parce qu'on a un laboratoire de recherche qui est dédié à l'accessibilité dans le gaming dans notre siège ouais. à Seattle. Et on a fait un retour sur quels sont... Les retours qu'on a en France de personnes qui ont des problèmes d'accessibilité, mais aussi d'associations comme Cap Game, mmh. avec qui on travaille beaucoup, qui nous disent quels sont les besoins. D'accord. Et cette génération de consoles a été un peu sans précédent. À plein de niveaux, on est sorti des carcans habituels. Il y a des nouvelles machines plus puissantes qui sont sorties en cours de génération. Mmh. Il y a plein de nouveaux services qui se sont intégrés à l'offre. Toi, entre le moment où tu es arrivé chez Xbox... Et maintenant,
quelles évolutions as-tu senti au sein de Xbox France, par exemple, aussi bien vis-à-vis du public que vous en interne dans votre façon de procéder Au sein de Xbox France, c'est une question. C'est bizarre que tu me la poses à moi, puisque en fait, la culture de Xbox France, c'est moi qui l'ai insufflée. Je pense qu'elle est différente depuis que je suis arrivé. Mais c'est plus intéressant de regarder ce qui a changé au niveau de Xbox au global. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et je pense que Phil est quelqu'un de passionné, de passionnant. Il respire le gaming, il est vraiment à l'écoute des gamers. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté le feedback sur ces dernières années, les retours des gamers. Et c'est là-dessus qu'on s'est fondé pour faire ces trois annoncières. Plus de studios pour plus d'exclusivité, pas seulement pour nourrir la console, mais surtout pour nourrir le Game Pass. Les 50 jeux qui arrivent, qu'on a présentés sur scène, dont 18 exclusivités. Et puis bien sûr, une vision du futur, le Game Pass, un peu de cloud, un peu de streaming, jouer sur différents devices. Et puis bien sûr, une annonce, mais très rapide, sur le fait qu'on va sortir cette nouvelle console un jour. Et donc là, pour terminer, dans le flot d'annonces qui ont été faites de jeux, toi, parce qu'on sait que tu joues, à quoi tu as envie de jouer en priorité? J'ai envie de jouer à Session, parce que j'adore les jeux de skate et que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu de skate. J'ai très envie de jouer à Forza Horizon 4, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis nul en jeu de voiture et là, j'ai l'impression d'être bon quand je joue à celui-là. Je comprends totalement. Il y a l'idée des 4 saisons en plus qui me séduit vachement, avec le fait d'avoir tous les gens dans le même environnement, tous les joueurs qui sont présents en ligne dans le même environnement et non plus des avatars. Et puis, si je regarde un peu, j'ai été séduit par la présentation de Cyberpunk. C'est un jeu qui peut bien me plaire. Mais après, moi, je suis gamer, donc en fait, dès que je vois un jeu, j'ai envie d'y jouer. Voilà. Peu importe le style. Exactement. Peu importe. Ok. Très bien. Et ben, merci beaucoup, Hugues, pour toutes tes réponses. Je te souhaite un excellent E3. Vu le cadre dans lequel on se trouve, ça devrait plutôt bien se passer. De mon côté, je vous invite, si vous nous regardez sur YouTube, à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à activer vos notifications. Si vous participez avec nous sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas le hashtag E3Gameblog. De mon côté, mon compte, c'est @RomainMahut et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures à Los Angeles. Salut, salut.